Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, et on se retrouve, oui on se retrouve pour un let's play, non pas sur le mode multijoueur de Battlefield Online, mais sur la campagne, et oui, comme je l'ai fait sur le let's play de Call of Duty Advanced Warfare, où j'ai fait le mode campagne, et bien je vais faire pareil avec Battlefield Online, comme ça ceux qui sont pas intéressés par le mode campagne de Call of ou de Battlefield, ce que je comprendrais, hein, parce que c'est plutôt le multijoueur qui nous intéresse, mais se dit, oh j'aimerais bien savoir quand même l'histoire de la mode campagne. Alors attendez, je vais juste tirer ça. Non, je veux pas du... Voilà. Arrête de me couper, s'il vous plaît. Oui, comme je disais, ceux qui sont pas intéressés par le mode de campagne, mais qui voudraient en savoir un peu plus, savoir juste comment c'est quoi l'histoire et tout ça, sans vouloir y jouer, quoi, parce que ça les intéresse pas, mais ils ont qu'à regarder un de mes let's play. Et puis voilà, comme ça, ceux qui sont intéressés par le mode campagne de, bah, de Battlefield Online et qui s'en foutent et qui veulent pas y jouer, bah, ils ont qu'à regarder mon let's play si ça les intéresse. Et comme ça, ils pourront se concentrer sur le multijoueur. Alors attendez, réglez la barre jusqu'à que les lignes diagonales soient invisible et que le logo soit à peine visible. Ouais bah moi c'est comme ça, hein. Enfin pour moi sur ma télé c'est comme ça. Alors on accepte. Ah c'est, ça fait du bien. Ah je vous l'avais dit que j'allais l'acheter, hein. Quand j'ai fait, si vous vous rappelez de ma vidéo sur la bêta de Battlefield 9, je vous avais dit qu'il me tentait. J'avais fait deux fois là. Nina vous êtes connecté, on s'en fout. Bonsoir, vous pouvez activer et activer le partage Facebook. Non, parce que j'ai pas Facebook. Je m'en bats les steaks. Ah, ça fait plaisir. On va se retrouver pour un nouveau let's play. Ah, là, là. Alors, jeu complet 7%. Le jeu est en cours d'installation en attendant consulter le battle log. Vous commencez les épisodes solo dès qu'ils seront, prêts. Ouais, c'est le mode multijoueur qu'ils sont en train de mettre, ok. Ah ouais, c'est comme ça veut dire. C'est comme la bêta où faut aller attendre que le jeu il s'installe. Oh, mais alors ça, franchement, ils auraient pu faire quelque chose. Je sais pas si vous vous souvenez de ma bêta sur Battlefield Online, où j'avais expliqué qu'on avait dû mettre, toute la nuit pour bah, pour installer le jeu. Enfin, juste la bêta, quoi. Alors, ça va être pareil pour le jeu. Déjà qu'il est à 8%. Ouais, ça va. Ça a l'air d'aller un peu plus vite. Bon. Mais ça fait que c'est quand même assez lent. Alors, je regarde juste vite fait les touches. Jouabilité, sensibilité, on va mettre 20. On va laisser à 20%. Je verrai bien, de toute façon. Audio, alors je vais juste baisser un petit peu le son parce qu'il me paraît un peu fort dans mon oreillette. Il y a un sous-titre, oui, on va mettre les sous-titres pour vous, faut pas que j'oublie ça. Non, non, allez hop, c'est bon, c'est parti. Sauvegarder, on sauvegarde et on va faire les épisodes. C'est parti pour les let's play. KD, recommandé, vous n'avez jamais joué à un jeu de tir, vous profitez d'une version complète dans Battlefield Online, mais ils sont plus faciles à battre. Et bien, on va prendre KD, hein. Cadet. Parce que... Sinon je... Oh oui! Super! Assassin de la police! Assassin de la police! Oh c'est super ça! Bon allez, je vais peut-être avoir une cinématique, je sais pas comment ça va se passer. Oh j'adore cette musique, je vais vous la laisser. Je me tais. Ça rentre dans la tête, hein! Putain, je me tais. C'est la dernière fois que vous en profiterez avant longtemps. Nicolas Mendoza. Putain. Un type comme toi, t'as dû bien merder pour atterrir chez moi. Ouais, vous feriez mieux de sécuriser votre arme avant que l'une de ces charmantes personnes ne vous la subtilise. C'est un plaisir de voir des flics pourris échouer dans mon bus. C'est une preuve que le système fonctionne. Oui. Vos papiers aussi, s'il vous plaît. C'est typique, ça. Bon, en tout cas, apparemment, on est un ancien inspecteur, un flic pourri, apparemment, c'est super. J'aime pas les flics pourris de base, alors si je suis moi-même un flic pourri... Ah, 3 ans plus tôt, ils vont peut-être expliquer pourquoi. Alors, je ferme ma gueule. Numéro 5, ça va, c'est pas numéro 4. On se regarde les yeux dans les yeux ou on ouvre la porte? Je te propose de coffrer ces mecs et de se poser pour crier. Ouais, d'accord. Je connais un cubain pas trop mal, un peu plus long. Cubain, sans déconner, Nick, t'es aux mœurs maintenant. Tu peux te permettre mieux que des faillots et du riz. T'es sérieux? Des faillots et du riz? Je crois que je vais commander pour toi. Tiens, j'ai une idée. C'est moi qui choisis le resto. Hein? Je te promets, les bananes plantain, c'est définitivement terminé. T'as déjà mangé cubain? Je crois que tu devrais mener l'opération cette fois, d'accord? Sois autoritaire, vérifie tes angles morts, trouve notre type et on les met à genoux avant que quiconque puisse sortir son canon. Ouais, j'ai déjà fait ça. Je sais, mais pas avec moi. Comment il s'appelle la trou? Ouais, c'est bon, j'ai déjà fait ça.
D'accord. Je vais faire ma rose là. Ah non, c'est un petit peu. Je frappe à la porte. Non, je défonce la porte. Ah, j'ai une belle lampe. Je peux rien faire. D'accord. Ah si. Attention, je vous éblouis avec ma lampe. Ceux qui regardent dans le petit Judas. Oui, je sais que vous regardez. Eh, ça fait mal aux yeux, hein. Police, alors. On va rentrer. Tiens, vas-y, allez, regarde. J'imagine le mec qui regarde dans le judo, je suis en train de lui. Ah, c'est pas drôle, il y avait personne qui regardait. Allez! Mon papillon, s'il vous plaît, messieurs! Allez, s'il vous plaît, expliquez ce qui vous. Ah, dans ta gueule! Dans ta gueule! Dans ta gueule! Bon, bah, du coup. L'arrêter. Ah, il y a que lui que je peux arrêter. Je peux pas arrêter lui, genre, je trouve que lui, il a une... oh, avec sa coupe de merde, je trouve que c'est lui le coupable. Allez, on l'arrête lui, on arrête la vidéo, on prend lui. Je t'ai dit qu'on prend lui. Plus vite on les aura coffrés, plus vite on sera parti d'ici. Oh, les yeux, vous avez vu ses yeux? On dirait qu'il a des yeux qui fait... Il contrôle pas ses yeux, le mec. Garde les mains sur la tête et tourne-toi doucement. Lentement. Oh, papier, s'il vous plaît, monsieur. Hey, tu fais une grosse erreur, mec. Respecte mon autorité, mec. Respecte mon autorité. Ah ouais, je vais les arrêter un par un. Déjà toi dans ta gueule parce que ça fait plaisir. Et toi dans ta gueule parce que ça fait plaisir. Et toi, comme t'es chauve. Non. C'est du grand n'importe quoi. Arrête. Tu sais, on mettait une tête de con. Putain de blague. Je serais sorti au petit matin. Fuck de merde. Tu sais très bien. Ah ouais. Ce petit tas de coke me dit. Oh putain. Ah ouais, en plus c'est pas visé quoi. Ah d'accord. Oh putain, j'ai dû tuer une femme. Oh bah super cette vidéo. Et ils savent pas tirer les mecs. Moi aussi je sais pas tirer, mais c'est encore pire que moi, donc c'est la preuve que c'est pire que moi. Oh, putain, j'ai tué une femme quoi. J'ai fait un headshot quand même. Oh, j'ai Moustique qui m'envoie un message en plus, il se fait pas chier. Oh non, j'ai réveillé un bébé. Oh non, j'ai. Alors je vais vous dire la vérité, je déteste entendre les bébés pleurer. Pas parce que ça m'énerve. Mais ça me rend tout triste. J'ai un truc sentimental avec les bébés. Quand j'entends un bébé pleurer, ça me fout le cafard. Ah, mais putain, coupez ce son. Bon, allez, faut fouiller les corps. Alors, est-ce que t'as 5... Ouh, de l'argent. Je peux pas prendre l'argent, s'il vous plaît. C'est pas que je suis en manque d'argent, mais... argent. C'est tout ça, c'est l'argent des abonnés. Comme si on était payé. Oh, putain, j'ai défoncé... Ça, mais bon, c'était déjà défoncé à la base, hein, vu comment c'est crachou, ouais. Moi, je vais pas passer le... Je vais pas passer le nettoyage ici, hein, la femme de ménage s'en occupera. Quoi? Qu'est-ce qu'on a? Pauvre femme de ménage. Feuille, papier. Oh, vos papiers, s'il vous plaît. Exactement ce que je demandais au début. Stoddart, comme j'adore son nom, Stoddart. Dommage qu'il n'y ait plus personne à interroger. C'est typiquement merde. Hey, j'en avais ras le cul des burgers à la chefferie cubain. Quelqu'un a faim? Il a rien entendu. Hey, poursuis-le. Allez, vas-y, j'y vais. Allez, attention, c'est parti pour une poursuite. On va courir. On court. Oh putain, si j'avais su qu'il fallait faire une courir dans cette vidéo, j'aurais jamais fait ce let's play. Putain, il a sauté d'ici. Il s'est même pas fait mal. Vous avez vu? Oh, le style, il glisse sur la portière. En vrai, ça, soit tu te fais mal au cul, soit tu rayes vachement la voiture de police. Ah d'accord, c'est moi qui conduis, mais... Alors, juste 2 secondes. 2 secondes, parce que... Alors, attendez, c'est où? Le son de la... Putain, j'ai pas de son. Je peux pas faire... Ah, c'est option. Là... Non, c'est l'audio que je vais aller voir. Son principal, je vais le descendre de... Ouais, comme ça, parce que franchement, waouh. Oh, putain. Ah, bah voilà. Et voilà, je baisse le son et puis je rentre dans une camionnette. Excusez-moi, on fera un constat plus tard. Oh putain, pourquoi ils m'ont dit de conduire? Vous savez très bien que je sais pas conduire. Dans la vraie vie en plus, je sais pas conduire. Ça fait 5 fois que je change de voiture. Non, c'est pas vrai, mais c'est pas long. Oh putain, la poubelle. Bon, je veux bien tuer des gens, mais défoncez pas les poubelles quoi. Bah oui, hein. Les gens, on s'en fout, c'est les poubelles qui c'est le plus important. Ouais, mais défonce tout quoi, vas-y. Bon bah j'ai plus qu'à aller tout droit, c'est bien. Je suis encore rentré pour aucune voiture pour l'instant. Donc un truc. Oh putain. Et voilà, j'aurais dû fermer ma grosse gueule. Mais attends, je veux juste tes papiers. Tout à l'heure, t'aurais montré tes... On aurait montré, le mec aurait montré ses papiers tout à l'heure et ben c'était bon quoi. Il aurait pas eu de soucis, on aurait pas eu besoin de l'arrêter, le tuer et tout ça, ça se trouve. Hein, l'arrêter non plus hein. Faut qu'on arrête ce flic. Attends que je m'approche. Je veux bien moi.
Bah, ils sont nuls les flics aussi, ils font un barrage, mais j'arrive même pas à l'arrêter quoi. Oh oui, vas-y, stylé. Putain, ils ont combien de radio là-dessus, vous avez vu? Oh ouais, putain, la bonne voiture quoi, quoi. On aura pu la revendre quoi, on est un fait cripou quoi, on aura pu la revendre de 500 000 euros quoi. Oh, y a juste... oh, y a pas grand chose, y a juste une petite bosse, on la retape un petit coup, voilà, c'est bon. Vos papiers, s'il vous plaît! Quoi, vous êtes mort? Je veux pas le savoir! Vos papiers quand même! T'es encore en vie? Ah, bah c'est bien comme ça. Vous avez le droit de garder le silence, moi aussi, c'est la police municipale qui vous arrête. On vous êtes trafiquant, on vous vous êtes trafiquant de drogue et vous donnez des burgers gratuits, c'est contre la loi, monsieur. Je pars en cacahuète, moi. Ah, le speech d'un film quoi. En même temps, il l'avait dit que ça allait être plus comme un genre de série américaine quoi. Bon, ça commence bien avec de l'action et tout ça. Oh bonjour madame, j'espère qu'on va l'avoir vite celle-là. Je regarde juste vite fait le temps que ça fait. Oh, on dirait Kevin Spacey de Call of, un peu avec son chapeau. Bon, il ressemble pas trop non plus, mais... Enfin, vous voyez le genre, quoi, ça reflète. Oh, la musique, elle tape moins que... Assassin de la police. Youhou. En même temps, ça aurait peut-être pas trop dans la logique, là. J'ai gagné un trophée sur le coup. Oh, putain, en plus, un trophée très, très, très difficile à avoir, celui-ci. Il faut commencer le jeu. Oh, je sais, c'est difficile. Alors, installation en cours. Oh, putain, progression de 27%, faut attendre que... Ah d'accord, ok, putain, en même temps, il faut que j'attende aussi que l'épisode, que le reste de l'histoire soit fini de télécharger. What the fuck, c'est quoi? Mais putain, sortez un jeu en entier quand vous le mettez dans le CD. Bon, il y a le truc de l'installation, ça a pris quoi, 20 secondes? J'ai dû installer le jeu, ça a duré 20 secondes. Après, c'est bon, t'installes le jeu, c'est basta. Au pire, t'installes le multijoueur, entre parenthèses, avec les serveurs et tout ça. Ça dure, allez, on va dire, ça va durer grand maximum 10 minutes. Et pour le mode campagne quoi, c'est pas besoin d'installer le mode campagne, putain d'un la compte, bordel de chiottes. Excusez-moi, je m'énerve, mais... Bon, bah écoutez, je vais couper, je vais attendre que monsieur le 29% pense à 100%, et on se retrouve tout de suite après. Excusez-moi encore. C'est pas possible, ça fait bon. Vos papiers, s'il vous plaît, progression. Allez, à tout de suite. Oh, re les amis, enfin, punaise, Bon, excusez-moi si ça a dû couper. Pour vous dire, en gros, là, les 99% que vous voyez, ça a mis 27 minutes et quelques secondes. En gros, j'ai mis le chrono, mais 30 minutes, punaise, 30 minutes à attendre devant. Alors, je me suis remis devant cet écran, j'en avais marre de revenir à l'écran. Je me dis peut-être que si je retire l'écran, ça va peut-être recharger plus vite. Bon, pas du tout. J'ai eu le temps de regarder, pour vous dire, un épisode de Naruto Shippuden, enfin une moitié d'épisode, regardez Nounou d'enfer, enfin voilà. Pff. Je vous dis pas comment je me suis, ça m'a saoulé quoi, j'étais prêt à, ça m'a tiré l'envie de jouer, je vous jure hein. Putain mais c'est complètement stupide, allez enfin jeu complet, allez on retourne dans l'épisode. Donc du coup bah, ah d'accord, on a fait le prologue, c'est bon, donc là on est épisode 1, retour à l'école. Oh punaise. Ouh, allez c'est parti, on reprend, excusez-moi encore pour cette coupure. Mais c'est vraiment, je trouve ça inadmissible. Je suis désolé de vous dire ça, c'est inadmissible, Visceral Games. Inadmissible. Franchement, punaise. Franchement, une heure pour installer juste une putain de mode campagne. Pour installer le jeu, quoi, putain. Ils nous disent précédemment ce qu'on vient de voir il y a à peine 2 minutes, quoi. Je vous laisse regarder au cas où vous avez oublié. Et, enfin, pour vous, ça fait ça. Pour vous, ça fait à peine quelques secondes. Mais pour moi, ça fait 30 minutes. Ah oui, on lui a demandé ses papiers. Il a pas voulu. Oh la pauvre voiture. Je m'en souviens, la pauvre voiture. Ah, juste. Excusez-moi si vous avez entendu un écho derrière. C'est ma télé. J'ai oublié de la mettre en mute. Est en cours, c'est mon commentaire. Sinon, j'aurais juste dit pas de commentaire. Où est-ce qu'ils sont tous passés? La guerre de la drogue, chef. Je l'ai vu à la télé. C'est reparti comme dans les années 80. Il va falloir que je ressorte les épaulettes du placard. Avec un t-shirt rose, j'espère. En attendant, Stoddard, vous êtes en mission spéciale. Inspecteur Mendoza et Dao, dans mon bureau.
Bon, bah, c'est parti, comment c'est parti dans le silence. Vous vous connaissez déjà? Ah bon, on se connaît? En quelque sorte. Ah, c'est pas la fille que j'étais tout à l'heure. Ah ouais, non, c'est méchante. Lui ressemble. Oh, assis, couché, debout. De vous avez récupéré plusieurs kilos de cocaïne aujourd'hui. Félicitations. Et maintenant, dites-moi pourquoi la coke est cachetée. La marque du fabricant, pour prouver qu'elle n'a pas été coupée. C'est exact. Et votre coke portait un cachet qu'on n'avait encore jamais vu. Votre suspect du jour affirme qu'il l'a obtenu auprès de Tyson Latchford, avec qui l'inspecteur Dao s'est pas mal pris la tête. Vous allez me le ramener par ici, histoire qu'on discute un peu. Monsieur, la dernière mission de Mendoza sur le terrain, si je peux me permettre, a été un gros merdier. Vous vous entendrez à sympa comme un... T'as fait de la merde, gros mec. Oh bah super, le couple qui va pas s'entendre et à la fin il va s'entendre, c'est ça, non? Ça va être le genre stéréotype comme d'habitude dans les séries américaines, quoi. Putain. Par contre, j'aime pas trop la tête du mec. Je trouve qu'il ressemble à rien. Juste pour info, je suivais la piste de Stoddard dans la... C'est personnel. C'est pas le contraire. Ah, je peux regarder? Mais trêve d'excuses, inspecteur. Oui, non, c'est pas des excuses, c'est du contexte. Non, on regarde pas par là. Excusez-moi. Putain, il y a deux radios, quoi. Parle-moi plutôt de ce type, Tyson Latchford. Oh, tous les boutons. Il dit de la coke corrigée aux incapables. Ces gars que t'as chopé. Tyson joue dans une autre dimension. Mais parfois, il fait un beau geste pour ses anciens compagnons de galère. C'est quand même beau, faut le dire. Alors faudrait qu'on en chope un. Tu lis dans mes pensées, dis-moi. Écrase-le! Mais écrase-le, t'es la police, on se fait ce qu'on veut, on peut écraser les gens, hein. Il faut bien ça, la virer, là. Fais gaffe à toi, ce soir. La guerre de la drogue, c'est pas détendre. Je suis au courant. J'ai perdu deux amis en moins de 6 mois. Des types en patrouille. Ouais, j'ai appris ça. Je suis désolé. Moi aussi. Miami part en couille. Ah, c'est pour ça qu'on est là, non? Pour faire le ménage. Stoddard avait raison sur toi. Comment ça? Il disait que tu kiffais le boulot de flic. Il y a le flic. Inspecteur! Inspecteur! Oh, merde, pas lui. Ça, toi. Wow, n'arrose pas mon pare-brise. Hey! Ok. Si. Filez-moi juste. Filez-moi $5. Ok, je sais. C'est juste que. Je suis qu'un capitaliste. Je regrette, mon vieux. Pas pendant le service. Ok, d'accord. Très bien. Allez, inspecteur, occupez-vous bien de notre quartier. Soyez prudent, d'accord? Il est bizarre, lui. Ah oui, je me disais aussi qu'il était trop gentil. Tiens, on n'est pas très loin du quartier où j'ai grandi. Ça fait quoi si j'appuie sur ce bouton-là? Toi, tu viens de South Beach? Non. Pas du tout. Los Angeles, en fait. Stop, stop. Et dépasse le stop, oh. C'est pas bien. Beau déclin, dis donc. L'émission clignotant, c'est bien. Ouais. On apprend la conduite. Qu'est-ce qui se passe? Une saisie de drogue, sûrement. Hey. J'ai pas dit que j'étais d'accord pour qu'on fouille. Attention, votre fouille rectale. Fouille rectale, d'ailleurs. Toi, crétin. Pas besoin de ton consentement. Hey, est-ce que ta Guzman, femme me dit souvent? Qui c'est, celui-là? C'est notre vieux pote Hux. Il avait un coffre bourré jusqu'à la gueule de Hotshot. Couchez-toi. Hux, tu sais où est ton ami, Tap? J'en sais foutrement rien. Vous cherchez Tap? 911. Ouais, appelez tu l'as croisé? Non, mais j'ai vu son pote Briggs traîner avec la bande de Taps sur la 12e. D'accord, Guzman. Merci pour le tuyau. Ok. Bien vu, inspecteur. Bon, ok. On voulait l'arrêter. Je vais... un alors, mec qui vient de se faire draguer par sa meuf. T'es pas né à Miami, c'est ça? Non, je suis né à La Havane. Sérieux? Comment t'es parti? Avec ma mère. C'est une femme sacrément riche. Ferme-la, dis pas qu'on est en train de vendre de la drogue. Aucune idée. Et des armes. Ça fait au moins 20 ans que je l'ai pas vu. Putain. Mais bah, vous allez vous calmer. Respectez mon autorité, merde! À mon avis, il doit être mort. Et ça me va très bien. On dirait un vrai gentleman. Il sortait du lot, y a pas. Excusez-moi, je rigole parce que ça, c'est typiquement le truc américain. Les grosses bagnoles, les voitures à fond. Ouais, quoi t'as, mec? Vas-y, t'as un fake, moi je te défonce, quoi. Soi-disant parce que j'ai pas de preuves. Je veux dire, comment je peux leur fournir la moindre preuve puisque j'ai pas oublié la. Ah, le stéréotype! À chaque quadrille, on voit un gros stéréotype des séries américaines. Ah, en même temps, c'est ce jeu, il le disait à l'avance, quoi. Va te faire. Et ralenti. Ok. Bonjour madame. Tout va bien madame? Ce putain de... C'est juste pour ça. Bonne journée madame. Ta gueule. Tu veux que j'appelle du renfort Mendoza? Ouais. Le PC pourrait nous... Juste pour une femme qui arrive pas à fermer sa poubelle. Ah, il parle d'autre chose mais...
J'imagine, il faut rentrer vous. Oui, madame, on va vous aider. Allez, go, 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 go. Essayez de fermer la poubelle de cette pauvre dame, allez. Oh, merci. Merci, la police, vous êtes si gentils. Mais vous avez pas des vrais criminels arrêtés? Non, madame, nous, on arrête que ceux qui ont des problèmes avec leur poubelle. Allez, maintenir pour sortir. Non, dis sortir avec une papille sur la radio. En plus, on a, on a le nombre de 13 qui porte malchance, le nombre d'équipes, super, pour notre nom d'équipe. Attendez, il y a un truc que j'ai pas compris quand même. On a pris la radio, il est sorti en même temps, ça veut dire que le fil de la radio, on l'a encore. Alors si je m'étire à fond, boum, on revient directement sur la voiture. Non, il a dû le remettre, mais sans qu'on le voie, quoi. C'était trop dur de faire l'animation quand il raccroche la radio. Putain, qu'est-ce qu'on est lent, je peux même pas courir, quoi. Est-ce que je peux pas... Ah, je peux ballonger. Ouais, on va passer discrètement là-dessous, ouais. Mais attendez, mais je peux passer en plus? Ah non, même pas. Il y a un mur invisible. Il dit aussi, c'est bizarre. Voilà. Discrètement. Le type qu'on recherche traîne dans le coin. On y va discrètement. En mode Snake. Ils vont pas nous repérer. Ça fait pas trop bizarre à un policier qui se met allongé devant une porte. Oh, encore des bébés qui pleurent. Putain, le stéréotype, quoi. Bonjour, monsieur. Bon papier, s'il vous plaît. Oh putain, j'adore. Allez, allez, c'est bon, dépêchez-vous. Alors, faut que j'aille où en plus, putain? Je sais même pas où faut que j'aille. Bon, allez. Bon, alors, on va parler à ces messieurs, on va leur demander leurs papiers. Messieurs, vos papiers, s'il vous plaît. Oh, voilà, c'est tout ce que tu peux faire. 30 kilos, bonhomme. Moi, je te fais 150, bonhomme. Attends, je vais t'aider. Vas-y, lâche. Ah d'accord, elle est partie là-bas. Putain, elle a... Ouais, un monsieur qui fait du vélo. Je fais du vélo. Mon vélo. Mon vélo. Ouais, mais ça fait un bail que référence je suis à Bourville. Je préfère te suivre. Putain, mais c'est lent, quoi. On peut même pas courir ou avancer un petit peu plus vite, quoi. Attends, je vais sauter pour aller plus vite, le lapin. Thomas, m'oblige pas à vérifier tes poches parce que je sais ce que j'y trouverai. Robin, dis-lui de... Bonjour, monsieur. Vos papiers, s'il vous plaît. C'est quoi comme bouteille? C'est une Languedoc Roussillon 72. Oh, très belle année, monsieur. Vous taillez un couteau en bois alors que vous avez un vrai couteau, monsieur. D'accord. Oui, c'est tout à fait normal. Continuez. On va vite se casser parce qu'ils ont l'air fou là-dedans. Elle est partie où? Elle est partie là. Putain, elle a le droit d'aller à 60 km/h, mais moi, je dois aller que à 1. Kilométrage. Ah non, mais c'est même pas elle en plus, putain. Bon, c'est pas grave. Bonjour, mademoiselle. Qu'est-ce que vous faites toute seule? Je suis plus la police. Oh bah vas-y, rentre-moi dedans carrément. Non, mais... Ah bon, merci. Merci, madame. Je rentre avec vous. Mais va te faire. Bon, apparemment, ma drague ne fonctionne pas autant que ça. Comment m'a fait mais la porte? Tu sais, je croyais que c'était une ouverture et tout, quoi. Allez, vas-y, rentre chez moi. Tu es un policier et tout. J'adore les policiers. Même pas. Alors c'est chez qui là? Regarde, chez Mail. Ça se trouve il appelle vraiment Mail. Ok. Attends, d'abord je regarde la partie, elle a l'air intéressante. Toujours que tu sois pressé, putain. Mais allez putain, bougez vos pions là. Mais c'est évident qu'il faut que tu places la tour en E5. Après tu prends la dame en E7. Espèce d'imbécile, tu fais échec et mat. Oh là là, ça rien de l'échec. C'est incroyable ça. Bande de timbrés dans ce quartier. Bon, on est chez qui là? On est chez encore Mail. Oh là là, il y a que du mail partout. Vas-y d'abord. Ce type. Est-ce que tu peux aller moins vite? Merci. Oh là là, dis donc les mecs, vous pensez qu'à ça? Moi je regardais, je crois qu'elle a un truc dans la poche et tout. On fait un basket? Plus un geste. Ah d'accord. Utilisez votre insigne pour immobiliser un suspect. Gardez votre arme braquée sur un suspect pour garder le contrôle. Maintenez le suspect en joue ou sa jauge d'alerte se remplira. Ah ouais, d'accord. L1. Alors attendez, je retrouve ma touche L1, c'est là. Aucun de vous. Vous savez pas. Vos papiers, s'il vous plaît. Vous voulez quoi? Police de Miami. On a des questions à vous poser. Bon, viseur. Viseur de merde. C'est qui lui? C'est mon nouveau coéquipier Briggs. On joue à qui sera le flic le plus méchant. Ton pote tape. Où est-ce qu'il est? Pas de fermer. Putain, il a une vue de loin. Ok, on va laisser tomber les politesses. Oh putain, faut que je le mette en joue. Nick, occupe-toi de lui. Approche et élimination. D'accord. Allez, on n'a pas...
J'étais de l'autre côté, j'étais pas dans son dos. Oh, c'est mal foutu ça. Allez, dis-moi où ouais. Est ta... Et si non, je te fais manger les cigarettes là. C'est dégueulasse. Brutalité policière. Merde. Ce soir, il est au canapé, ok. T'as une belle main quand même, mon héros, il a une très belle main. Il fait, c'est toi qui fais de la manucure. Vous vous en tirerez pas toujours comme ça. Je connais mes droits. Quoi, on va simplement le laisser là. C'est pas très malin. Non, mais je suis sûr qu'il a essayé de buter un flic infiltré l'an dernier. Ah, bah voilà. Voilà, comme ça je t'aurais fait manger. Tu peux en profiter si tu veux pour te nourrir, de manger les petites clopes par terre. Ça va te donner plein de... Ah, on peut enfin courir, youpi. Bon, on court à 2 km, mais bon, c'est 1 km de plus que tout à l'heure. Je vais m'asseoir, putain, c'est fatigant de courir jusque là. Stop. Oui, même à pied, je... Oh, merde, c'est le gang de tape là-bas. Au mieux pas qu'ils sachent. Oui, même à pied, moi, je suis les règles de la sécurité routière. Bon. Discrétion. Putain, je vais salir mon costume. Ah, attention, niveau d'attention suspect. Le niveau d'attention de suspect est illustré de deux façons. Une jauge d'alerte se remplit lentement au fur et à mesure qu'un suspect devient dangereux. Les cônes de vision affichées en mi-quinte changent selon votre position. Ouais, un peu, c'est un peu comme Far Cry, non? Quand ils nous voient, ils tiling, d'accord? Allez, par ici. Pardon, excuse-moi. Je voulais pas. Enfin, je voulais bien me mettre. Ah ouais, d'accord, ils sont tous là. Ça fait quoi si je cours vers eux? Si je cours vers eux avec une arme et en criant je suis de la police? Vous pensez que ça marche? Tu raconteras à personne ce qu'on est en train de faire, hein? Non, je garderai ça entre nous. Par rapport à quoi, hein? Ouais, par rapport à quoi? Brave garçon. Ok, allez. J'irai rien ce qui s'est passé. Oh, un toboggan! Un toboggan, ouais, les gars! Je peux même pas tomber dans le toboggan! Mais je veux faire du toboggan, moi! Oui, je suis un policier qui aime le fun! Je veux faire du toboggan! Ouvre la porte. C'est bon. C'est pas vraiment une porte, c'est plutôt une plaque de bois. Trop facile, tu peux aller chez le voisin quand tu veux, vas-y, en fait. Passe. C'est très aimable. Non, même. Désolé d'avoir dit que t'avais fait un gros merdier. En même temps, c'était une petite devant, alors c'est obligé de passer. Mais t'as assuré. Putain, cette porte, c'est une pourrie, quoi. Qu'est-ce que tu les gens, ils peuvent rentrer chez les voisins. On a pas fait équipe longtemps. Fais une bête sauvage. Et sa cage est grande ouverte. Sauter. Oui, depuis tout à l'heure, je suis en train de le faire. Pour vous dire, franchement, là, je vais vous dire à peu près à ce moment-là du gameplay. Mais l'histoire ne m'intéresse pas du tout. J'accroche pas. C'est pour ça que je suis en train de me marrer. Bon, après, il y a peut-être à voir. C'est parce que c'est le début. Peut-être que je suis pas encore à fond dedans, mais. Bon. Le truc de faire les séries américaines stéréotypées. Oh, il y a des méchants qui vendent de la drogue, il fallait les sauver. Et un méchant flic et un gentil flic. Je connais, quoi. Ça ne m'intéresse pas. Il saura qu'on est là. On a intérêt à se la jouer profil bas. Ok. Mais moi, je fais mieux que ma croupière. Je mange carrément. T'es où, fait? Ah, t'es là. Ok. Maintenant. Maintenant quoi? Ah d'accord, allez. Attends, je vais aller plus vite comme ça. Vous me voyez pas? Vous voyez pas le mec qui est en train d'être allongé qui fait de la... Fait de la... Un truc pour faire tout à fait Far Cry. Faut lancer un caillou. Mais arrêtez les gens, vous avez piqué les idées de Far Cry. Tout le monde le dira. Lancez une diversion, lancez des douilles pour éliminer le suspect et rester discret. Lancez une douille ne détourne l'attention que d'un seul ennemi. Le rayon de diversion d'une douille lancée apparaît sur... Ah ouais, ça fait que d'un seul ennemi par contre. Peut-être c'est un peu moins. Comment je... Ah, faut juste que j'appuie. Moi je crois qu'il fallait que j'utilise le stick. Ah, c'est même pas une... non, je l'ai fait dans le bâtiment, hein. Oh, c'est trop mal fait, vous avez vu les gens? J'ai carrément fait dans la pièce. En même temps, c'est scripté, vous allez me dire. Mais bon, je fais carrément dans la pièce, le mec, il va à l'opposé. Tu sais, il va dans la rue, mais c'est n'importe quoi. Surtout qu'en fait, moi, je croyais qu'il fallait faire glisser le pad, parce que pour une fois qu'on peut utiliser un pad parce que le pad, ils l'ont fait pour la PlayStation 4, mais ça sert pas à grand-chose. Je crois qu'il fallait le faire glisser, mais en fait non, il faut appuyer quoi. C'est n'importe quoi, j'aurais préféré faire glisser. Faire style que je lance, ça aurait été plus stylé. Ah, y'a quelqu'un au téléphone? Là tu vas entendre sonner. Sarah Connor. Non, c'est pas moi. Bon bah je peux courir apparemment. Ah, non, attention, discrétion. Séparation, élimination. Enfin, diversion, séparation, élimination, j'ai oublié, c'est diversion. Lancez une douille, ne détourne l'attention. Ah, c'était pas une pièce, c'était une douille. D'accord. Lancer une douille ne détourne l'attention que d'un seul ennemi à la fois. Lancer une douille pour un seul. Ah, d'accord, ok. Animation prochaine, ça suffit, d'accord.
D'accord, alors faut que j'en attire un et que j'élimine l'autre. Quoi. C'est le tutoriel. C'est le tuto. Bon bah voilà. On va envoyer. Ah, ça m'énerve d'appuyer, je préfère que faire glisser ce style. Allez, hop. Je le fais discretion. On va même allonger pour vous dire. Tin, 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 tin. Ouais. Ah, lui. Ça me fait des points. Et dans ta gueule. Ils auraient pu avoir une matraque, ça irait plus vite. Bon, ça ferait peut-être un petit peu plus mal, c'est vrai que ça serait pas très avisé. Oh, très beau graphisme. Bon, c'est pas très joli, c'est la mort. Ça nous indique ce qui va se passer après, mais moi j'adore. Moi j'aime bien les graphismes tant qu'ils sont pas moches, qu'ils sont beaux, qui embellit. Moi ça me dérange pas. Par exemple, vous voyez, ça c'est moche. Et ça c'est beau. Enfin, moyennement beau. La tête de mort, même pas. D'accord, ok, carrément. J'étais en mode discrétion, hein. Non, te barre pas parce que je te courrai après. On cherche Tyson. T'es son nouvel équipier. Elle t'a déjà fait ça, des mots de karaté. C'est du Krav Maga. Oh, le truc en plus stéréotype du Krav Maga, comme dans NCIS. Tap et Tyson sont amis d'enfance. Deux petits blancs fans de ce ghetto. Tap et restez ici. Lève-toi, main sur la tête. Bon, papillot, s'il vous plaît, j'adore dire cette phrase. Hey, Tyson, où est-ce qu'il est ? Ah, c'est pas Tyson le boxeur en tout cas, ça se voit, il y a carrément une grosse différence. C'est pas la presse. Il cherche la discrétion. Il fouille pas trop non plus, hein, parce que. Mais je crois rien, je crois. Hein. Ouais, on s'est dit que tu pourrais nous rencarder à ce sujet. Vous vous trompez dehors la loi, inspecteur. Coffre-moi ce ringard. J'ai cru que tu demanderais jamais. J'ai une blague de merde, est-ce que je peux la dire ? Parce qu'elle a dit coffre-moi ce ringard, mais j'ai pas de coffre sur moi. J'ai la drôle d'impression que vous prenez un putain de pied à faire ça. Hein. Ouais, au début. Après, on s'en lasse. Putain, la tête de con. Il y a un problème avec les yeux, j'ai l'impression, dans ce jeu. Là, je suis choqué, mon pote. Ah, j'ai une ordonnance du tout. En même temps, il doit être canné, le mec. Je sais que t'as un casier. Je sais que tu caches ta coke sous les poubelles du coin de la rue. Je sais que ton guetteur nous a vus et qu'il doit être en train de tout planquer. Et sérieux, il a l'air beaucoup trop jeune pour ce genre de conneries. Alors, ouais. S'il faut t'embarquer pour détention de drogue, on le fera. Qu'est-ce que vous attendez de moi, au juste ? Que tu nous dises tout. Tu craches le morceau, que tu fasses. Ouais, interjoint objectif atteint, super. Et ça donne quoi au fait les points? Je viens de dire, bon, c'est genre. Je gagne des points pendant ce truc, mais ça se trouve, je l'utilise même pas quoi. Hey, j'aurais bien coupé, mais bon, je sais pas comment. Ouais. Tiens. Hey, micro. Dis quelque chose. Bénédicte Arnold. Hé, hey, tête de nœud, t'es pas Benedict Arnold et t'es pas en mission d'infiltration. Tu entres, tu vois si Tyson est là et tu ressors illico. Ah oui, mais par contre, si je quitte, faudra que je recommence. Bon, allez, on y va, allez, on est fou, on continue. Je voulais arrêter là et pourquoi vous le faites pas vous-même? Faut tape sur le scanner, Nick. Et comment je fais zoomer? Ah, d'accord. Maintenir analysé. Ouais, 500 points pour analyser un mec que je connaissais. Je peux pas analyser lui. Je peux analyser que lui quoi. Ah d'accord. Bon, moi je faisais avec les flèches directionnelles. Ça fait pareil en fait. Attends, tape, c'est quoi son surnom? Mon gros surnom, ah d'accord. Et lui c'est quoi? Bon allez, dépêchez-vous, qu'est-ce que c'est lent. Yo les mecs. Tyson, tu peux pas le voir comme ça mon pote. Allez, vas-y, juste un tout petit service. Lâche-moi, rentre chez toi. Mais quoi? Faut juste que je vois Tyson. Calme-toi, commence pas à t'exciter. Il est en mode schtroumpf, il est bleu. Allez, vas-y, laisse-le passer. Oh, le méchant et le gentil à droite. Oui, enfin moi à gauche, voilà. On y est. Allez, tape. Mène-nous jusqu'à Tyson. Je reconnais aucun de ces types. Surveille ton scanner. Est-ce que je peux te... Essaie de voir à tu qui peux on pas a te scanaliser, toi Non, mais je lis police. Je voulais voir si écrit quoi là. Micro-canon numérique. Scanne la zone et écoute. Youh, je peux. Est-ce que je peux viser? Je peux voir quelqu'un par là, une fenêtre. Ah, attendez, il y a quelqu'un. Il y a quelque chose. Non, je peux pas zoomer là. Ah non. Suspect. C'est super tendu ici. Est-ce que Tyson est là ou pas? Ok. Ouais, je vais lui parler. Compris.
On se donne des points, c'est cool. Ah bah, je pouvais les marquer avant cela, mais bon. Bon, bah pour l'instant, c'est une filature, quoi. On attend et puis on. J'ai pas de blague sous la main, merde. J'aurais pris une blague malabar. Carambar plutôt. Tyson est juste. Ouais, là. J'ai gagné un niveau. Je sais pas si ça sert à quoi. Parfait. Oh, oh, regardez cette photo. Ah, nouvelle arme de poing. Ouais. C'est pour le mode multi ou pour le. À mon avis, pour le mode solo. C'est Tyson. Scanne-le. On a besoin de. Il est où? Merde. J'ai pas de ligne de mire sur Tyson. Ah oui, sinon c'est trop facile. Il va peut-être bouger. Je vais pas me chercher comme ça. Ça crasse sévère en ce moment. Tyson. Une toute petite. S'il te plaît. Indice trouvé, faut que je trouve des indices apparemment. Je vois que c'est. Ok. Assieds-toi, je vais voir ce que je peux faire, d'accord? No problemo. Y'a pas de lézard. Putain, pas du tout convaincant lui. Je peux pas sauvegarder là et. Peut-être qu'il y a un moment de point de passage, peut-être. Oh, je vais faire un petit peu de tricycle. Attends une petite seconde. C'est qui ça, putain? Oh putain, c'est quoi ça? Aucune idée. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh putain, il y a du monde en plus. 4 et 4, 8. Essaye de scanner autant de mecs que tu peux. Bon bah d'accord, bah, on scanne alors. Oh merde. Ah non, mais bah, juste les passer quoi. Oh merde, ils en ont après Tyson. Allez, faut le rejoindre. Ah bah lui, tout je peux. PC, ici les Kent. On a des coups de feu, lui, on attaque. Faut, ok. Échange de tir à l'angle de la 3ème et de la 33ème. Toutes les unités en alerte. Je peux pas scanner quelqu'un d'autre, j'aime mieux scanner les gens. On se donne des points alors, c'est bien. Bon, ok. Je peux pas les tuer là? Non, bon, c'est pas grave. Oh, y'a un toboggan là-bas, je vais faire des toboggans. Nick, la porte est ouverte, on y va. Ok. Bon, bah écoutez, les gens, je vais arrêter là parce que ça va faire une vidéo trop longue. Après ça. Oh, ouais, presque. Oula, ça fait 40 minutes presque. Bon, bah on va arrêter là. Je vais reprendre là au moment où j'ai ouvert la porte. Hein. Je verrai comme je me débrouille. Je ferai plus gaffe la prochaine fois, mais bon. J'allais pas vous laisser la dernière fois couper sur un moment de. De comment pourcentage, voilà, où la vidéo est en train, enfin le mode solo est en train de s'installer. Bon, voilà, bah, je vais reprendre tout de suite après, comme ça, voilà, vous aurez eu un petit aperçu. Là, apparemment, il va y avoir de l'action, il y a des méchants qui viennent d'arriver. Bon, jette là le scénario pour vous dire, il m'intéresse pas, mais que dalle, que pouic. Franchement, le héros, je m'en fous, il a pas de charisme. Sa copine, c'est le stéréotype de NCIS avec l'agent. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais qui fait du Krav Maga. C'est que des stéréotypes, mais putain, le mode solo, franchement, je crois que ça allait être... En même temps, j'avoue que je m'y étais attendu, parce que sur jeuxvideo.com, ils avaient un petit peu fait l'analyse du mode solo, et ils avaient dit qu'il était pas super bien et tout ça. Mais je me suis dit que peut-être, ça allait m'intéresser un minimum. Mais pour l'instant, franchement, je m'en bats les steaks. Mais vraiment, quoi. Alors, bon, ceux qui sont intéressés pour ceux... que le mode solo n'intéresse pas mais qui veulent savoir c'est quoi l'histoire, bah comme ça vous aurez pas besoin de le faire, vous aurez pas à vous faire chier comme moi, vous avez qu'à regarder ma vidéo, comme ça vous serez tranquille, voilà, comme ça c'est clair. Bon bah voilà, bon bah j'espère que cet épisode vous a plu, même s'il y a eu un gros couac de téléchargement, de installation du mode solo, what the fuck. Allez, bon, bah, en tout cas j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, patati patata, et c'est tout ce que je vais vous dire, je vous dis salut, à plus, portez-vous bien.